Donc, je pense que nous allons bientôt commencer. Le webinaire va commencer. Donc, bonjour à tous. Bon après-midi et bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Avant de me présenter, je voudrais vous informer que nous disposons d'une interprétation simultanée en français, portugais et espagnol. Veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe dans la partie inférieure de votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue de votre choix. Merci beaucoup. Je suis Sharon Kibori, je suis journaliste de données multimédia et responsable du réseau régional pour l'Afrique de l'Est du projet de reportage Afrique-Chine, PRAC. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire intitulé Breaking New Ground, perspectives et histoires sur l'impact de la corruption foncière sur les groupes discriminés en Afrique. Ce webinaire est le fruit d'un partenariat entre Transparency International et la Land Portal Foundation. Dans le monde entier, la corruption est un obstacle qui empêche de nombreuses personnes d'accéder à la terre et aux ressources essentielles à leur survie. Les personnes défavorisées et les communautés marginalisées font souvent les frais de ces pratiques injustes. En outre, la discrimination, qu'elle soit fondée sur le handicap, l'appartenance ethnique, le sexe, la religion, prive encore davantage ces communautés de leurs accès légitimes à la terre. Une recherche innovante menée par Transparency International et Equal Rights Trust a permis de documenter dans 7 pays africains la manière dont la corruption et la discrimination convergent pour éroder les droits fonciers. Ce webinaire analysera ces résultats à travers des histoires vécues sur tout le continent. Nos intervenants d'aujourd'hui partageront des exemples convaincants, tels que la façon dont la corruption perturbe les programmes d'équité foncière en Afrique du Sud, les programmes destinés à corriger les disparités de longue date. Nous entendrons également parler de l'exacerbation des injustices historiques subies par les communautés nubiennes du Kenya en raison de pratiques corrompues. En outre, notre panel discutera des réponses efficaces. Nous explorerons les stratégies que les gouvernements et les sociétés civiles peuvent employer pour relever ces défis. En nous concentrant sur les politiques et les campagnes qui renforcent la responsabilité et promeuvent la transparence dans la gouvernance foncière, y compris la façon dont l'accès à l'information et aux données peut réduire la corruption à l'encontre de communautés vulnérables. Avant de poursuivre, je dois vous faire part de quelques remarques concernant ce webinaire. D'abord, ce webinaire est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Veuillez noter que cet événement sera suivi d'un tweet en direct à partir du compte Twitter du portail du Land Portal et que le hashtag utilisé est hashtag Land Corruption. Donc, vous pouvez vous engager avec nous. Nous avons également un kit de mes réseaux sociaux pour cet événement qui a été partagé avec vous dans le chat. Si vous avez des questions pendant la session, et nous espérons que vous en aurez, veuillez les poser en utilisant le bouton Q&A, donc Q&A, en bas de votre écran. Nous essaierons d'y répondre le plus tard possible. Nous essaierons d'y répondre au cours du webinaire. La session d'aujourd'hui est également enregistrée. Vous recevrez le lien vers la vidéo. Enfin, un article reprenant les messages clés sera disponible sur le site du Land Portal. Permettez-moi à présent de vous présenter nos intervenants. Je suis accompagnée d'un groupe d'experts remarquables pour discuter de ces questions aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons Sam Barnes, responsable de la recherche Equal Rights Trust. Il travaille dans la publication sur la recherche et faisait partie du groupe créant des rapports sur la protection des groupes discriminés. Il a également créé des guides compréhensibles et globales sur les pratiques corrompues et publié en 2023 par le Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits humains. Nous avons ensuite Barbara Kolowski, responsable du programme foncier mondial pour Oxfam Novib. Nous avons Melusky Nkala, qui est chercheur principal à Corruption Watch en Afrique du Sud. Il fait partie du groupe de recherche et il travaille également en Afrique du Sud. Ensuite, nous avons Naomi Cabana, qui est directrice par intérim de la gestion foncière au ministre des Terres, du Logement et du Développement Urbain du gouvernement ougandais. Elle travaille depuis plus de 25 ans. Elle a été l'une des expertes de l'équipe qui a élaboré la politique foncière nationale de l'Ouganda, mise en œuvre depuis 2013 et actuellement en cours de révision. Elle a rédigé, recherché, dirigé et présidé de nombreuses réformes dans le secteur foncier, dont les principales sont les droits fonciers des femmes par la délivrance de certificats de propriétés coutumières sur lesquelles figurent des femmes, la rédaction de la politique d'acquisition foncière actuellement soumise à l'appropriation du cabinet et la réforme des lois sur l'acquisition foncière afin d'inclure les principes internationaux de transparence et de responsabilité.
Donc, Sam, permettez-moi d'entamer notre discussion avec nous. Pouvez-vous nous faire part des conclusions du nouveau rapport This Beautiful Land, corruption, discrimination et droits fonciers en Afrique subsaharienne? Bien sûr, merci beaucoup. Donc, je vais maintenant partager mon écran. J'espère que cela fonctionne. Oui, allez-y. Est-ce que vous voyez le dessin? Oui, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc, je vais commencer mon rapport. Donc, merci beaucoup pour votre introduction. Je suis Essam Bind, responsable de la recherche à l'Equal Rights Trust, et aujourd'hui, je vais vous parler de certaines publications du guide This Beautiful Land, corruption, discrimination et droits fonciers en Afrique subsaharienne. Donc, je vais vous parler de la structure basique du rapport. Mais avant, je vais commencer par une histoire. Donc, ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire qui a été récupérée par Transparency International Kenya. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Faiza. Donc, dans un village côtier ensoleillé situé dans le comté de Kilifi au Kenya, Faiza a passé son enfance à l'ombre des palmiers et des manguiers de la propriété de son père. Lorsque son père est décédé, le frère de Faiza a contracté un prêt auprès d'un voisin qui n'a pas été remboursé au moment de sa mort. Faiza et la veuve de son frère ont décidé de régler la question en payant la dette, impayée dans le cadre d'un processus, ce qui a bénéficié de la médiation du chef du village. Mais le problème n'a pas été résolu. Peu de temps après le paiement, des personnes ont commencé à empiéter sur les terres de Faiza. Faiza était convaincue que la famille qui avait accordé le prêt s'était entendue avec le chef du village pour obtenir le titre de propriété. Et au cours des mois et des années qui ont suivi, Faiza a vu son terrain morcelé et vendu à des promoteurs pour la construction de nouveaux logements. Incapable de supporter les coûts d'une longue bataille judiciaire, les six enfants de Faiza ont été retirés de l'école et contraints de s'abriter dans des logements temporaires construits à la lisière de la propriété de son oncle. Sans terre, appauvrie et privée de moyens d'obtenir un niveau de vie décent, Faiza et sa famille mènent une existence morne, ne subsistant que grâce à la vente de vin de palme qui couvre à peine le coût de base de la nourriture. Son père et son frère ont disparu, tout comme la terre du passé de Faiza. Son avenir et celui de ses enfants est incertain. L'histoire de Faiza n'est pas unique. Si son père et son frère étaient vivants, sa situation serait différente. Partout dans le monde, la discrimination et la corruption conspirent pour empêcher les gens d'accéder à la terre et aux ressources dont ils dépendent pour leur survie. En 2021, Transparency International et Equal Rights Trust ont publié Defying Exclusion. C'était la première étape d'un long processus pour expliquer des phénomènes tels que la discrimination en termes de droits fonciers. Cela a démontré qu'il fallait faire plus de recherches dans ce domaine. Nous faisons un appel à l'action. Nous examinons le lien entre discrimination et corruption en termes de droits fonciers en Afrique subsaharienne. Nous étudions également d'autres éléments tels que l'histoire de conflits et les résultats de la colonisation. Donc, ce rapport est en sept chapitres. Oui, désolé, Neil. Désolé, il y a un problème avec l'interprétation espagnole. Donc, dans les premiers chapitres, nous donnons un premier aperçu, nous parlons de la méthodologie, de la façon dont nous avons récupéré les données. C'était une recherche qualitative. Nous avons inclus les parties prenantes nationaux, internationaux, nous avons effectué des entretiens au niveau des communautés, etc. Ensuite, dans le chapitre 2, nous parlons de certains des concepts tels que nous expliquons ces concepts tels que la corruption, nous leur donnons une définition et ensuite nous essayons de comprendre ces terres en lien avec les droits internationaux et les réglementations internationales. Dans les chapitres 4 et 5, nous essayons de peindre une image globale de la discrimination et nous parlons de cela
dans le contexte de la crise foncière. Nous essayons de comprendre cette corruption en lien avec d'autres éléments. Très peu de considérations, ces éléments ont été très peu pris en compte au niveau international. Dans le chapitre 5, nous utilisons ces apprentissages, donc nos recherches dans un contexte pratique. Et c'est là où nous parlons des aperçus de chaque pays, nous leur donnons un cadre juridique et nous parlons d'expériences individuelles. Et à la fin de chaque sous-section, il y a une étude de cas qui a été créée par Transparency International qui analyse le lien entre discrimination et droit foncier en plus de détails. Le chapitre 6, c'est là où nous combinons le tout. Nous explorons la dynamique entre discrimination et corruption en plus de détails. Et ensuite, au chapitre 7, voilà, nous étayons nos recommandations. Donc, les témoignages que nous avons réussi à inclure dans le rapport donnent une meilleure image de la corruption et discrimination. Donc, la première dynamique que nous explorons, c'est la discrimination peut entraîner une plus grande exposition à la corruption. Et c'est vrai lorsque quand une personne stigmatisée, stéréotypée ou criminalisée fait les frais d'une telle pratique. On parle ici de femmes, de personnes handicapées, de personnes de groupes défavorisés qui deviennent des cibles de cette corruption et discrimination. La plupart de ces groupes doivent faire face à de nombreuses barrières. Et même si on se rend compte des discriminations auxquelles elles font face, souvent peu d'actions sont prises. Et donc, il y a une très. Dans le cas, l'étude de cas de Madagascar, nous allons illustrer ces propos en détail. Au Madagascar, par exemple, il y a eu de plus en plus d'attaques sur des personnes souffrant d'albinisme. Voilà, tout cela est lié à des stéréotypes, etc. Et dans ce chapitre, nous nous sommes entretenus avec des individus qui nous parlent de ces injustices auxquelles elles ont dû faire face. Et voilà, cela, les organismes de l'ONU lient cela à un processus de déshumanisation. Et donc la discrimination veut dire que les individus doivent même payer pour avoir accès à des services qui devraient leur être disponibles. D'un côté, cela exclut de la justice et la discrimination signifie que les individus peuvent être, voilà, obligés de payer pour accéder à des droits qui devraient déjà leur être accordés. Et nous espérons que nous pourrons explorer ces propos plus en détail plus tard. Donc, pour la dynamique 2, je vais vous donner un exemple plus concret. Un individu est ciblé à cause de son statut protégé. Voilà, nous avons un exemple qui nous vient du Kenya. Et souvent, ces personnes sont obligées de payer des frais en plus pour pouvoir avoir accès à des services qui devraient déjà leur être gratuits. Donc, ces personnes sont traitées différemment, de façon injuste. Et voilà, et il y a un lien direct avec la corruption. Ensuite, dynamique 3, l'impact de la corruption se font sentir de façon disproportionnée. Donc, la corruption est néfaste pour la société en général, mais ses effets sont souvent ressentis différemment par certains groupes pour des raisons liées à leur statut protégé, identité ou à leur croyance.
Et ce type de corruption peut avoir des effets disproportionnés et à long terme. Voilà, nous allons vous donner plus de détails à ce sujet pour que vous puissiez avoir un aperçu global. Par exemple, on va parler des minorités religieuses d'Afrique du Sud qui risquent de perdre l'accès à leurs lieux de culte et à leurs sites d'importance religieuse en raison de projets de développement. Nous allons parler de jeunes au Zimbabwe qui sont inscrits sur des listes d'attente pour un logement et qui risquent de perdre un droit générationnel d'accès à la terre, et ce, en raison de la corruption. Les peuples autochtones, par exemple, sont également souvent confrontés à ce genre de processus. Dynamique numéro 4, la discrimination et la corruption résultent dans un... peuvent entraîner un déni de justice. Il y a une très bonne étude de cas que nous allons montrer, qui nous vient du Ghana, qui nous parle justement de ce déni de justice et comment la corruption a empiré la situation. Ensuite, numéro 5, la corruption entrave l'efficacité des mesures d'égalité positive. Donc, la discrimination historique dans des domaines tels que l'éducation et l'emploi signifie que certains groupes de la société sont particulièrement exposés aux impacts de la corruption. Nous allons parler de ce sujet dans l'étude de cas de la Zambie concernant l'utilisation abusive d'un programme d'attribution des terres pour faciliter l'abattage illégal d'arbres. Donc, chacune de ces dynamiques se chevauche. Aucune de ces dynamiques peut être étudiée individuellement. Et j'espère que cela peut être aperçu à travers ce diagramme à l'écran. Tous ces types de discrimination, de corruption se chevauchent, sont interliés et se présentent sous différentes formes. Et lorsque l'on parle de discrimination systémique aux inégalités, cela mène à la discrimination. Les individus ne peuvent pas avoir accès aux solutions. Et la corruption mais empêche également ces personnes d'atteindre leurs objectifs. Et voilà. Donc tout cela est lié et c'est ainsi que nous analysons la corruption. Dans la section finale du rapport, nous vous donnons nos recommandations. J'espère pouvoir vous en parler plus en détail au fil de la discussion, mais nous avons divisé nos recommandations en 8 sections, donc reconnaissance, protection, participation, responsabilité, promotion, sensibilisation, collaboration et recherche. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Donc merci beaucoup pour nous avoir rejoints ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Sam, je vais me tourner vers les autres panélistes pour qu'ils puissent nous donner leur perspective. Je me tourne maintenant vers Barbara. Barbara, pouvez-vous nous dire en quoi les questions et les tendances décrites dans ce rapport sont pertinentes au niveau mondial? Donc, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je pense que la façon dont ce rapport explique ce nexus entre discrimination, corruption et droit foncier est très importante. Le rapport a le mérite d'exposer les problèmes et de proposer des recommandations sans adopter une vision étroite de la corruption et de la discrimination comme étant inhérente et confinée à des systèmes, des groupes ou des individus. Il montre l'interconnexion de ces phénomènes avec l'héritage historique du colonialisme et l'interférence des modèles économiques néolibéraux dans les systèmes agraires. Il décrit la corruption et la discrimination liées à la terre dans des contextes donnés, mais il donne également un aperçu des moteurs globaux de l'inégalité foncière qui jouent un rôle déterminant dans la corruption discriminatoire dans le secteur foncier au niveau national et sous-national.
Une vision étroite de la corruption et de la discrimination en tant que phénomène endogène pourrait en fait être risquée. D'ailleurs, on observe cela parfois dans les débats internationaux sur la corruption, car elle peut détourner l'attention d'écosystémique globale et, plus dangereusement encore, contribuer à les justifier. En ce sens, le rapport présente des messages très audacieux et intéressants. Je suis italienne, j'aime bien m'étayer sur l'étymologie, le sens étymologique des mots. Donc, j'ai analysé ce mot corruption. Donc, le mot corruption vient du verbe latin cum rumpere ou rumpere, signifiant littéralement briser, c'est-à-dire dégénérer, détruire, altérer dans un sens négatif. En ce sens, la corruption dans la gouvernance foncière au niveau mondial peut également être considérée comme des interférences qui brisent l'intégrité des systèmes. Il y a des forces qui interfèrent, qui brisent donc l'intégrité des systèmes, pas simplement en termes moraux, mais également le bon fonctionnement des institutions. Cela peut venir, ça peut être de façon intentionnelle, mais même si on a de bonnes intentions, cela peut être le cas. Par exemple, on veut régler les choses, mais parfois cela ne se passe pas comme l'on veut. Cela crée donc un terrain propice à la corruption et renforce la corruption à l'égard des groupes. Cela crée ça brise le contrat social entre État et société, mais également le tissu social même d'une société. Voilà donc mon aperçu d'un point de vue global. Merci beaucoup, Parvaza. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces définitions et cette étymologie également. Je me tourne maintenant vers nos collègues en Afrique pour connaître leur point de vue sur le terrain. Mélusi, pouvez-vous nous donner un exemple de l'impact de la corruption sur les groupes discriminés travaillant dans le domaine foncier en Afrique du Sud? Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, je trouve que c'était incroyable que Barbara nous a donné l'étymologie du mot. C'était très intéressant de comprendre le sens même du mot, surtout dans ce contexte d'Afrique du Sud. Souvent, les cultures se sont effritées. On a mis des barrières sur le chemin du droit foncier des peuples autochtones. Et en Afrique du Sud, je pense que c'est l'un des plus crimes, entre guillemets, légaux. Des personnes sont chassées de leurs terres. Et c'est quelque chose qui a lieu depuis des centaines d'années. Et les principes dans lesquels cela a été fait à cause de principes raciaux, mais il y avait également le principe que seuls les hommes avaient le droit, avaient le droit sur les terres. Cela faisait partie de la loi. Et ce que le gouvernement sud-africain a essayé de faire après 1994, c'était de redresser ce problème. Le gouvernement s'est dit, nous allons maintenant mettre en œuvre des politiques qui vont régler ce problème de discrimination. Voilà, de régler donc ces injustices. Et l'une des politiques sur lesquelles nous nous sommes penchés dans cette recherche était sur les programmes d'équité des agriculteurs. Il y avait plusieurs politiques de cette nature qui ont été mises en place. Et on s'est dit que si l'on peut trouver des propriétaires blancs qui veulent vendre des terres à des groupes qui avaient les droits sur ces terres, nous allons enclencher un tel achat pour faciliter l'achat.
Nous avons travaillé avec des agriculteurs commerciaux, par exemple, si vous en êtes un et vous êtes intéressé par cela, nous pouvons travailler, vous pouvez donc travailler avec nous pour faciliter ce terme d'achat. Mais malheureusement, ces programmes n'ont pas été mis en place bonne façon. Il y avait des pratiques néfastes qui ont été observées donc dès la conception du programme, et les agriculteurs ont dû faire face à de la discrimination. Et il y a eu des problèmes avec les dividendes, par exemple. Mais de plus, il y avait également des problèmes de violation des droits humains. La plupart de ces agriculteurs n'avaient pas accès à aux soins médicaux, n'avaient pas des installations propres, etc. Ils ne pouvaient pas avoir accès à l'éducation fournie par l'État. Et donc, vous voyez l'expérience d'un groupe, d'un seul groupe en particulier. Et si vous comprenez cela, vous voyez donc que la corruption et la discrimination s'étend partout dans le pays. C'est un phénomène qui est dont énormément de personnes font les frais. Merci beaucoup, Mélosie, pour ce. J'aimerais J'allais connaître le point bientôt de vue m'intéresser à la du perspective du gouvernement sur ces gouvernement sur ces questions. questions-là. Naomi, comment est-ce que le gouvernement Comment le gouvernement ougandais ougandais s'attaque à ces questions de aborde-t-il les la questions de corruption corruption dans le dans secteur le secteur foncier? foncier? Est-ce que c'est un gros problème en Ouganda? Merci. Merci à vous d'avoir soulevé cette question très intéressante. C'est donc de la corruption foncière. Et ces problèmes aussi de discrimination liés au partage des terres. De manière intéressante, j'ai pu lire le rapport et notamment le chapitre sur l'Ouganda et les commentaires qui ont été réalisés à ce niveau-là. Et l'écrivain semble s'être concentré sur deux questions de corruption très claires, qui sont donc au niveau de l'acquisition des terres, donc dans le processus, et ainsi que l'ensemble du système d'administration foncier et comment nous fournissons ce genre de services. Et donc, l'auteur signale que 2 sur 5 personnes finissent par payer pour ces services d'administration. Mais j'aimerais vous donner donc un peu de contexte sur ce système d'administration des terres et comment le gouvernement a essayé de contrer ou en tout cas de s'attaquer à cette question ou ces problèmes au sein de l'administration foncière. Donc, tout d'abord, quand nous nous intéressons à ce système administratif, il a été adopté depuis l'Angleterre. Et toutes nos lois, en fait, sortent de ce système-là depuis les temps coloniaux et nous n'avons pas pu, en fait, amender la plupart de ces lois. Et la plupart de ces lois sont complexes et bureaucratiques et évidemment demandent une classe en fait technocratique pour les comprendre et ensuite les pouvoir les interpréter et les rendre compréhensibles aux communautés. Et à cause du langage utilisé dans leur rédaction, en fait, on se retrouve face au fait que parfois, même les utilisateurs, en fait, ne comprennent pas les intentions de ces lois. Et donc, quand on s'intéresse au secteur foncier, on trouve que les structures, les infrastructures de gestion foncière sont des systèmes centralisés. Et le gouvernement, en 2007, a adopté une politique de décentralisation pour en fait rapprocher ces services de la population et c'était donc une tentative en fait d'améliorer l'accessibilité à ces services fonciers. Et au sein de ces processus, le gouvernement a décentralisé donc les services fonciers.
Donc, ils ont créé des bureaux de départements, par exemple, donc territoriaux. Et le processus de numérisation aussi de l'administration a permis de briser certaines barrières institutionnelles. Et quand on visite donc nos services fonciers régionaux, en fait, ils sont capables de fournir des services complets. Ce sont des bureaux dans lesquels on fait donc de la planification, on fait des services d'administration, et c'est des points d'accès où le public peut ou faire valoir leurs droits en termes de en matière foncière. Mais malheureusement, les coûts restent très très hauts parce qu'on, par exemple, on a certains services au sein de ces administrations sont privatisés. Et ça veut dire que les personnes plus pauvres ne peuvent pas accéder à certains services. Et notamment au recensement cadastral. Et donc le gouvernement, pour essayer de simplifier ces processus, en fait, on utilise beaucoup de projets pilotes, on travaille donc avec des partenaires pour garantir le fait qu'on puisse donc toucher les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, qui sont la majorité dans nos populations et qui ont plus de problèmes au niveau de l'accès à la terre. Donc les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau donc, du recensement. Donc c'est 50,4% de la population angoulinoise et elles sont également plus jeunes. Donc quand on parle d'acquisition foncière, c'est une loi qui date de 1965 et il n'y a pas de politique sur le sujet qui a été réalisée depuis lors. Toutefois, on a fait beaucoup de travail pour non seulement passer en revue cette loi des années 60, mais également pour rédiger une politique d'acquisition foncière qui couvrirait non seulement des questions de compensation, mais également des questions de programmes liés aux moyens de subsistance. Parce que quand on a visité des pays comme l'Inde, on a découvert que la loi sur l'acquisition foncière de l'Ouganda, en fait, parle de cette question donc de la compensation des moyens de subsistance. Et en fait, on voit que dans la plupart des cas, comment dire, la tête du foyer est un homme. Et on trouve souvent qu'il, en fait, tout l'argent, toutes les rentrées sont payées à cette tête du foyer. Et à ce moment-là, les femmes qui donc appartiennent à ces morceaux de terre aussi ne reçoivent rien. Et donc ces questions de prix est un gros problème. Et donc la loi aussi essaye de fournir des questions de justice en termes d'accès. Et on a essayé au maximum d'inclure dans notre cadre juridique les principes internationaux, pardon. Parce que souvent, ces projets sont financés donc par des donateurs et qui sont donc doivent marcher dans un cadre gouvernemental. Et donc on voit que les questions de transparence et de responsabilité, en fait, sont améliorées comparées donc à quand on travaillait seulement au sein de la loi sur l'acquisition, qui était très primitive. Donc, ce n'est pas forcément un système fermé, comme essaye de nous l'expliquer le rapport, mais nous voyons ce système et ce principe d'une compensation prompte et adéquate. Mais après, la question qui se pose, c'est alors comment est-ce qu'on définit le terme adéquat? Parce que donc, c'est quelle autorité et quel mandat qui permet de donc déterminer le prix d'un morceau de terre? Et donc faire appel à cette décision quand le prix a déjà été fixé au niveau d'une compensation, c'est très difficile, notamment par exemple pour une femme pauvre. Elles ne savent même pas forcément où les bureaux administratifs se trouvent. Elles ne connaissent même pas la valeur de leur terre. Donc ce sont des problèmes sérieux. Et ensuite, on a des problèmes aussi d'enregistrement des terres.
ou de déclaration des terres. Et c'est un nouveau principe dans nos principes d'évaluation. Auparavant, si vous disposiez donc des titres fonciers, eh ben, on ne pouvait pas forcément garantir les prix des terres. Mais maintenant, ayant utilisé ces principes plus internationaux, quel que soit le statut de la terre, donc que les titres fonciers soient là ou non, et la terre aura la même valeur en fait. Donc nous avons des, finalement, nous faisons face à des défis différents dont je dois vous parler et que le gouvernement doit corriger. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons hérité des règles britanniques et nous n'avons vraiment pas fait grand-chose à l'heure d'amender ces lois. Et deuxièmement, et quand on s'intéresse au niveau d'éducation, parfois, notamment pour les femmes et les personnes les plus vulnérables, les jeunes, ils n'ont pas forcément les standards, les qualifications pour, en fait, faire valoir leurs droits ou d'accéder à des agents de plaidoyer qui sont parfois très chers. Donc, ces barrières sont aussi causées parce que les femmes, bien que ce ne soit pas forcément une catégorie homogène, elles sont souvent affectées par d'autres facteurs. La culture, les coutumes font également partie intégrante des processus d'acquisition foncier. Comme je l'ai dit, les familles patriarcales, en fait, il y a ce système où l'homme est la tête du foyer. Et la femme est toujours, en fait, mise au second plan. Elle n'est pas au même niveau que le reste de la famille. Et donc, les cultures et les coutumes continuent de nous affecter, même au sein de l'administration foncière et des processus d'acquisition foncier. Mais évidemment, on a bon espoir, on a réalisé beaucoup de réformes au sein du groupe, on a finalisé donc ce projet de loi sur l'acquisition foncière. Elle a été présentée au cabinet ministériel et donc nous attendons un retour du cabinet. Nous avons également finalisé une loi sur l'évaluation des terres, parce qu'en fait, c'est un secteur qui n'avait pas de réglementation auparavant. Donc, on essaye de réglementer à la fois la pratique et la fonction de l'évaluation foncière. Donc, on essaye d'avoir des services qui soient accessibles où les gens peuvent aller trouver les prix qui sont pertinents pour leur région particulière. Et ce sont une information qui sera publiée sur des portails publics. Et à ce moment-là, ça permettra aux personnes qui ne sont pas satisfaites de leur situation de chercher des solutions. Et nous travaillons également avec bon nombre des organisations de société civile qui essayent donc de vraiment conscientiser la population et fournissent également des services juridiques gratuits. Et ça aide vraiment les plus vulnérables à mieux connaître leurs droits fonciers. Donc, je ne dirais pas que le système est entièrement fermé, mais nous essayons de l'ouvrir un maximum à travers des moyens juridiques et on essaye notamment de suivre des pratiques internationales jusqu'à ce qu'on arrive à réformer le système interne. Merci beaucoup, Naomi, pour cette perspective. Je pense que c'est vraiment le moment, en fait, pour ces réformes foncières. Mais je vais maintenant repasser la parole à Barbara. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous travaillez sur ces questions de discrimination dans le secteur foncier? Alors oui, en répondant à cette question, finalement, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est exactement que cette crise foncière mondiale? Tout le monde dit qu'il y en a une, mais on a peut-être différentes interprétations de ce que cela veut dire. Donc, cette crise, en fait, est une dégénération radicale, une corruption, si on veut réutiliser ce mot, de la façon dont la terre et les ressources naturelles sont gouvernées et comment les institutions influent donc sur l'environnement et la vie des personnes.
L'acquisition des terres a joué une fonction sociale vitale dans l'histoire de l'humanité, et c'est toujours le cas, mais ça a toujours été un champ de bataille pour des jeux de pouvoir, des jeux de contrôle. Et en fait, c'est souvent quelque chose qui revient en fait quand on dit que finalement l'inégalité foncière est une des formes d'inégalité les plus anciennes. Mais qu'est-ce qui a changé récemment, notamment dans ces 2 dernières décennies? Eh bien, quand on s'intéresse aux statistiques, on voit que les choses ont vraiment changé. Et ce qu'on voit, c'est que la valeur de la terre, en fait, a augmenté. Donc, c'est devenu un business vraiment très lucratif. Donc on voit ce qu'on appelle une financiarisation de la terre et c'est quelque chose qui gagne de plus en plus de terrain. Et on voit en fait un peu une réponse du marché après la crise financière de devenir donc en fait un atout un peu alternatif ou un actif alternatif. Et la terre est vraiment devenue centrale à tous les plans liés, par exemple, à la compensation carbone. Et souvent, les décisions sont prises en faveur des polluants et non forcément en faveur des personnes qui sont affectées. Et on sait que ça a mis beaucoup d'impact sur les terres agricoles. Donc, par exemple, on sait très bien qu'il n'y a pas assez de terres disponibles sur la planète pour en fait mettre en œuvre ces plans d'atténuation du carbone au niveau mondial. Et en fait, les mécanismes de corruption sont toujours plus rapides que les solutions d'adaptation gouvernementale. Et c'est également vrai que la souffrance des majorités rurales et urbaines sont en fait acceptées comme des dommages collatéraux à cause d'une vision discriminatoire intrinsèque des personnes, mais également des systèmes fonciers, par exemple les systèmes fonciers locaux. Ces systèmes sont considérés comme étant inefficaces et pas adéquats pour subvenir aux besoins économiques attendus. Et on voit donc une modalité dominante qui finalement transforme un atout ou un bien immeuble en natif, en fait très spéculatif. Et donc on pense à des bénéfices sur le long ou le court terme, mais pour des personnes extérieures. Et souvent, c'est réalisé par donc des transactions foncières qui sont discriminatoires de toute façon. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Barbara. Je vais donc me retourner vers Mélusie. Qu'est-ce qui rend difficile en fait de parler de cette corruption dans le secteur foncier en Afrique? Eh bien, je pense que l'environnement est assez volatile. C'est aussi difficile pour les défenseurs des droits humains, étant donné les systèmes de gouvernance et le type de figures politiques qui sont au pouvoir. C'est une histoire qui finalement est reconnaissable pour la plupart des pays, en fait, sur le continent. En Afrique du Sud, une des organisations avec lesquelles on a travaillé, qui est donc une organisation de la base, qui s'intéresse aux questions donc de personnes qui sont sans terre, notamment pour des groupes vulnérables. Et ils ont vu certains membres de leur mouvement assassinés et tués parce qu'ils se sont prononcés en fait contre les méfaits et ils ont osé dénoncer la corruption. Et c'est largement parce qu'il y a certaines protections qui en fait est un point un peu polémique en ce moment en Afrique du Sud. Et cette protection devrait être accordée à ces sonneurs d'alarme. Et cette protection devrait être renforcée et repensée. Donc, de repenser la définition juridique d'un sonneur d'alarme et de s'intéresser également aux mécanismes et aux pratiques qui sont définies, qui sont disponible.
Et donc, il faut qu'on réadapte nos lois pour que ce soit en fait en lien avec ce qui se passe dans notre environnement et que le monde politique soit sûr, non seulement pour les activistes, mais également pour les sonneurs d'alarme. Et quand on s'intéresse à cette question de la discrimination, ces communautés, en fait, ont très peu de compréhension de ce que ça signifie de tirer la sonnette d'alarme. Mais ils sont intimidés par les exploitations agricoles qui finalement les menacent, en fait, leur disent que si jamais ils participent à des mouvements de la société civile ou s'ils se plaignent auprès du gouvernement pour leur situation, en fait, leurs circonstances, eh bien, ils n'auront plus de moyens de subsistance, ils vont perdre leur travail. Et donc ça, en fait, ça pose vraiment problème au niveau de la résistance de ces communautés locales. Donc il faut vraiment qu'on puisse travailler avec tout un réseau d'organisations pour atteindre ces personnes-là qui savent ce qui se passe sur le terrain. Et puis donc la victimisation des sonneurs d'alarme. Ça intervient non seulement à ce niveau-là, au niveau de la base, mais ça arrive aussi au niveau du gouvernement, parce qu'on a des représentants gouvernementaux qui sont aussi ciblés et parfois tués pour leurs actions sur ces questions-là. Merci, Mélusie. Je suis vraiment désolée d'entendre parler de ces conditions terribles. Et j'ai donc une question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez raconter les histoires des individus qui sont impactés par cette discrimination et cette corruption de manière plus pertinente? Eh bien, je pense que la recherche que nous avons réalisée dans la région, ou en tout cas dans ces 7 pays, c'est un projet qui est unique en son genre, en termes de son étendue. Parce que finalement, il relate les histoires de personnes ordinaires. Quand Sam a commencé sa présentation, il a peut-être encapsulé l'essence même de ce travail, dans le sens que nous avons vraiment cherché à nous rapprocher des personnes sur le terrain et leur demander de nous raconter leur histoire depuis leur perspective, ce qui est quelque chose de très puissant. Et dans le cas sud-africain de Corruption Watch, donc de surveillance sur la corruption, on voulait en fait que ce soit des histoires audio et à ce moment-là, on a produit une série de podcasts parce qu'on a trouvé que non seulement que les gens devraient entendre directement les experts, les activistes et tous les autres, entre guillemets, acteurs importants dans le secteur, ils devraient également entendre les voix des personnes marginalisées dans ces communautés, d'entendre comment ils sont, comment on abuse d'eux, comment cette corruption opère en fait, et d'entendre vraiment comment les membres du gouvernement ou les administrateurs en fait arrivent à s'en tirer sans aucun problème. Donc, je pense que c'est notre engagement en tant qu'activiste qui est important pour cette histoire, donc de raconter des histoires. Mais il faudrait aussi peut-être qu'on essaye de mobiliser les réseaux sociaux ou d'autres médiums un peu multimédia pour atteindre un plus grand public. Je vais maintenant revenir vers Naomi. En parlant donc de la corruption dans le secteur foncier, comment est-ce que le gouvernement peut mieux prendre en compte les perspectives des femmes, des personnes âgées ou d'autres communautés vulnérables, par exemple. Eh bien, merci. Comme je l'ai souligné auparavant, je n'arrive pas à passer en mode plein écran. Comme je l'ai souligné précédemment, le nombre de programmes qui cherchent à s'attaquer à cette question est assez important. Certains programmes sont donc menés par le gouvernement et d'autres sont en partenariat avec notre réseau de société civile. Je suis fière de souligner que l'Ouganda a une société civile très active et vitale, et notamment dans le secteur foncier. Et donc, nous avons pu réaliser beaucoup de travail avec ces acteurs-là. Donc, quand nous avons créé ou tenté de conscientiser les populations,
Nous avons découvert ce que la société civile est capable de faire. Et ensuite, nous avons encouragé la société civile à travailler au sein de leur mandat pour justement renforcer ou à réaliser ces programmes d'information. Donc le gouvernement est toujours soutenu par la société civile et une fois que la société civile, en fait, peut ensuite faire passer l'information qui finalement ne serait pas passée si c'était le gouvernement qui faisait cette action de communication. Mais nous avons également travaillé pour garantir qu'il y ait ensuite en fait un lien direct entre les personnes et le gouvernement. Donc les personnes peuvent s'adresser directement à l'administration pour signaler des cas de communication, pour faire appel à certaines décisions, par exemple. Donc on a mis des lignes téléphoniques en œuvre. Et c'est très utile parce que ça nous permet d'entendre directement ce qui se passe sur le terrain. Et donc un autre point, ça a été la mise en place de centres sur les droits fonciers. Et ça fait partie donc des réformes dont je vous parlais. Nous avons mis en œuvre ces différents centres pour les droits fonciers où le public peut se rendre pour accéder à ces services fonciers. Donc on peut présenter une plainte, on peut poser des questions, etc. Et en parallèle avec ça, nous sommes également en train d'établir ce qu'on appelle donc des cliniques mobiles foncières. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le gouvernement visite ces différentes communautés pour établir quels défis s'opposent à elles. Et c'est des services donc gratuits où ils peuvent donc ensuite signaler donc ou faire état donc de leur terre auprès du gouvernement. Et ces cliniques en fait permettent de circonvenir un peu de la bureaucratie parce que donc on leur dit quand la clinique va avoir lieu et ça permet à la communiquer à la communauté vraiment au sens large de participer. Donc on a plein de gens qui viennent. Et ensuite, on a quelque chose qui s'appelle donc l'enregistrement massif. Et on essaye de garantir qu'au sein de ces programmes, en fait, les femmes font partie de l'ensemble du processus, pour vraiment essayer de les inclure dans les titres de propriété familiaux. Et ça leur permet de vraiment de garantir leur accès à ces atouts-là. Et nous avons également des programmes qui donc essayent de faciliter les processus administratifs. Donc nous avons des journées portes ouvertes. Et ça leur permet d'accéder au système en fait administratif en ligne et donc de vérifier leur titre de propriété. Donc nous réalisons beaucoup de réformes au niveau technique. Donc on a un renforcement continu des capacités pour qu'on puisse vraiment être au contact du public et les prendre en charge correctement. Donc, on ne veut pas, en fait, toujours s'attendre à ce que ce soit le public qui doive prendre toujours l'initiative. On essaye de vraiment changer les attitudes et de vraiment changer la façon de faire dans l'administration foncière. Et en parlant d'acquisition foncière, ça a été un gros problème en Ouganda, mais on a vraiment mis la main à la pâte, on a fait tout ce qui était possible pour garantir que toutes nos lois, toutes nos politiques soient donc proposées au cabinet pour créer plus de transparence. C'est le cas par exemple des projets Land for Land. Donc, c'est des options qui sont reconnues en termes d'investissements capitaux, qui viennent donc de pays qui sont peut-être plus en avance que nous sur le sujet. Super. Merci Naomi. C'est intéressant d'entendre ces efforts de la part de l'Ouganda. Je vais vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
Je vais maintenant passer à une autre question de cette corruption foncière. Sam, est-ce que vous pouvez parler de responsabilité et de transparence de l'information en tant que solution à la corruption? Donc, dans le rapport, est-ce que, en fait, ces questions-là sont attendues comme une solution? Oui. Alors, merci. Alors, dans la section sur les recommandations finales, je sais que Naomi a parlé beaucoup, en fait, de ce manque d'accès à l'information, un manque de connaissances, et je pense que c'est quelque chose qui a été consistant dans l'ensemble des pays. Dans certains cas, ça a été lié à des déficiences du cadre juridique, et dans d'autres, ça a été des questions de système en ligne, en fait. Et dans d'autres, c'était plus une question de connaissances pour les différents acteurs, en fait. Mais donc, dans tous les pays, c'est un thème qui a été vraiment récurrent. Le rapport lui-même couvre 7 pays, et donc finalement, on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur ces différents thèmes, mais je pense qu'on peut voir vraiment la diversité des systèmes fonciers en Afrique et dans les pays qu'on a étudiés. Notamment, par exemple, la base de données dont je vous ai parlé, c'était peut-être un troisième membre de l'équipe de recherche quand on a mis en place ces discussions de cadre, en fait. Ça a été très, très utile à l'heure de vraiment développer ces différentes sections. Mais je pense que on a du mal en tant que chercheur de travailler dans ces espaces, dans ce secteur, et on peut seulement se demander, s'imaginer finalement ce que ça représente pour des personnes qui sont sur le terrain, de gérer les complexités, de tout cela. Donc, dans la section recommandations, on parle du besoin d'améliorer l'accès à l'information, de collecter des données désagrégées pour reconnaître les différentes situations qui font face auxquelles ces communautés désavantagées font face, mais également donc de pouvoir parler d'obligations d'investissement. Et donc l'information est particulièrement importante dans ces contextes-là. Au niveau de la justice, des mécanismes de responsabilité, encore une fois, ça a été un thème récurrent. Au niveau des témoignages qu'on a reçus, c'est une des dynamiques qu'on explore et notamment on essaye de voir comment la corruption et la discrimination peuvent compromettre l'accès à la justice et de nouveau on voit des thèmes très très récurrents. Donc assez souvent les gens parlaient des faiblesses et des défis en fait qui sont liés au fait donc de trouver justice au sein de mécanismes préétablis, que ce soit au niveau local ou national. Donc des questions liées au manque d'accès aux ressources, des manques de temps, des retards dans les mécanismes de plainte. Tout cela était très commun dans les témoignages qu'on a pu recueillir. Et aussi d'autres questions qui finalement étaient assez similaires au niveau de la justice plus traditionnelle. Donc on a eu des témoignages très intéressants sur la situation de personnes atteintes du VIH et du sida, de femmes en fait qui cherchaient à résoudre des disputes autour de droits fonciers dans la famille, des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'ils peuvent se rendre au chef déposer leur plainte ou non? Et donc voilà, c'était très riche, mais donc il y a un point sur la responsabilité que j'ai trouvé très intéressant, qui était quelque chose d'un peu plus à un niveau un peu plus haut. Et donc c'est de réfléchir comment les lois anticorruption et antidiscrimination fonctionnent au niveau de cette question foncière, parce que la plupart des mesures antidiscrimination, en fait, se concentrent sur le criminel, en fait, alors que les lois antidiscrimination sont concentrées sur la victime. Et cela est intéressant. C'est intéressant de voir comment ensuite ça fonctionne au sein du système d'administration. Parce que donc, et évidemment, les deux sujets sont gérés de manière différente. Donc, par exemple, la discrimination, c'est plutôt administratif, alors que la corruption, c'est quelque chose de plutôt du ça relève donc de la justice criminelle. Donc, par exemple, si vous êtes une femme
et votre mari est malade, vous savez que votre terre est à risque parce qu'une fois que votre mari meurt, que ce soit à cause des autorités traditionnelles, des demandes en compétition de différents membres de la famille, vous vous retrouvez dans une situation très difficile. Et ce qu'on voit et ce que de la recherche précédente de Transparency International a montré, c'est que souvent, en fait, les individus se sentent obligés de payer des pots de vin pour avoir accès à des droits qui normalement leur sont déjà garantis. Et donc, quand on s'intéresse à comment ces mesures anticorruption essayent donc de gérer ces questions où les personnes essayent de, par exemple, de déposer des pots de vin, eh bien, on voit qu'il y a des problèmes inhérents avec cette approche-là. Donc, une chose que ces lois font bien, c'est qu'elles mettent en place un cadre pour pouvoir redresser ces problèmes. C'est-à-dire qu'une personne doit présenter son cas, présenter des justificatifs à ce point-là. L'autre partie peut également présenter son cas. C'est-à-dire que cela fournit une opportunité. Cela crée un frein vers l'accès à la justice, empêche l'information. Donc, c'était une dynamique intéressante que nous avons pu intéresser. Il y a plusieurs choses que nous pouvons bien sûr continuer d'améliorer dans ce domaine. Il est vraiment nécessaire d'approfondir ce point, pardon. Et d'inclure des recommandations finales qui peuvent nécessiter de recherches additionnelles. Merci. Super, merci Sam. Barbara, pouvez-vous également discuter des recommandations relatives à la participation et à l'accès à l'information? Quelles mesures spécifiques peuvent être prises pour accroître la participation et l'accès à l'information sur le droit français en Afrique? Oui, ce point était très intéressant et sera également inclus dans le rapport. Ce sont des sujets très sensibles. On sait très bien que avoir une meilleure accès à la meilleure accès à l'information est crucial. Mais lorsque vous penchez sur les cas où vous voyez que des personnes sont censées protéger l'information et qu'à la place, ces personnes affaiblissent la communication, c'est critique et donc il faut vraiment adresser ces problèmes. Donc, si l'on se penche sur la participation, si la participation a lieu dans un cadre idéologique normatif ou imposé, et d'ailleurs je crois qu'il y a une question dans le chat à ce sujet, je pense que le premier élément qu'il faut analyser, ce n'est ce modèle doit être ouvert à la participation pour servir le peuple. Sinon, la participation peut être utilisée pour légitimiser la corruption politique. Et donc, la participation peut être symbolique, malheureusement. La création de cadres réglementaires avec des mécanismes en place pour une négociation efficace et permanente. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui inclut les citoyens. Je pense que cela, c'est la première mesure importante à prendre. Et cela veut dire soutenir la délégation de pouvoir soutenir la délégation de pouvoir aux collectivités locales et investir dans des institutions décentralisées, efficaces et fonctionnelles. Non simplement de la terre, mais en général, la participation peut également avoir un aperçu, peut avoir également un point de vue international. Par exemple, des ONG peuvent surveiller, dénoncer les conflits d'intérêts, la comptabilité et des fonctions et l'abus du pouvoir, c'est-à-dire créer un espace civique pour que chaque citoyen puisse se sentir libre d'exprimer ses préoccupations. Lorsque l'on parle de l'accès à l'information, il y a trois choses à prendre en compte. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est l'information, qui est censé fournir les informations
Et quels sont les mécanismes d'accès à l'information? Et je pense que pour cela, il faut avoir une approche multipartite. L'accès à l'information ne doit pas simplement avoir au lieu au niveau local, central, mais doit également inclure des obligations internationales, c'est-à-dire les acteurs financiers ou les entreprises. Cette information ne doit pas être libérée à un seul niveau. Il faut que toutes les parties prenantes s'associent pour pouvoir faciliter l'accès à l'information. S'il y a d'autres législations comme par exemple les informations sur les flux financiers, les aspects fiscaux, tout cela peut avoir un impact significatif sur la gouvernance foncière. Donc voilà, l'accès à l'information est la clé pour cet aspect de la gouvernance foncière. La coordination de la politique dans ce sens est également importante. Merci beaucoup, Barbara. Permettez-moi de poser une question similaire à Naomi. Naomi, comment l'Ouganda peut-il améliorer la transparence de l'information dans les processus de gouvernance foncière afin de garantir l'accessibilité des diverses communautés et de ceux qui rencontrent des obstacles techniques, linguistiques, d'accessibilité ou technologiques? Comme mes collègues l'ont mentionné, il faut un effort concerté pour atteindre ces objectifs. La justice foncière est un processus. Même si vous avez une institution foncière en place, même avec une telle institution, il est possible que vous ne... que la justice ne soit pas livrée. La façon dont les cours fonctionne, c'est grâce au processus sur l'épreuve, basé sur l'épreuve. Si vous voulez entamer des processus juridiques, il faut montrer l'épreuve, il faut montrer la documentation. Et comme Barbara l'a dit, les réformes ne doivent pas tout simplement se focaliser sur la terre, mais le système prend en compte cette justice foncière et il y a la responsabilité des citoyens qui entrent en jeu. Cela est également critique. Tout comme nous avons réussi à acquérir une certaine sensibilisation politique, par exemple en termes d'électorat. Si par exemple une personne vote pour un certain politicien, la personne s'attend à ce que le politicien respecte son mandat. Et il faut que cela s'applique à tous les différents domaines. La communauté doit être sensibilisée, autonomisée pour demander de façon concrète ses droits sur la terre. Ce genre de perspective doit être au cœur des discussions également. Tous les citoyens doivent prendre tout cela à cœur et être capables de participer. Mais ce problème d'équité, d'égalité, d'égalité entre les genres, ce n'est pas aussi simple. Si vous donnez à cause de la culture et de la discrimination, il y a énormément de barrières qui se dressent, même si vous donnez les droits à une femme. Si les femmes sont... On attend à ce que les femmes rachètent leurs terres alors que les hommes reçoivent automatiquement les terres car c'est leur héritage culturel dans ces sociétés. Et donc, c'est une perspective qu'il faut également prendre en compte. Il faut se pencher sur la question. La surveillance est un autre point. Donc,
me surveiller, la corruption fonctionne, les mécanismes en place fonctionnent. Nous avons déjà certains organismes au niveau gouvernemental qui s'étaient sur la question, mais il faut prendre en compte une autre perspective, c'est celle de la distance, car ces institutions, ces organismes sont au centre du pays, dans les capitales par exemple, et donc on crée une problématique de distance. Une femme, par exemple, devrait avoir le courage de passer de sa communauté locale à l'institution, à la capitale, par exemple. Cela crée un grand problème. Et non, des femmes sont censées faire rapport à leur chef local. Et vous verrez que ces chefs locaux, ces hommes, poseront tellement de questions aux femmes. Et c'est un processus d'intimidation. Et donc, nous ne pouvons pas tirer parti des institutions gouvernementales à cause de ces barrières. Il y a une perspective machiste, masculine. Il faut donc vraiment se focaliser sur l'autonomisation des communautés. Il faut que ces communautés demandent d'elles-mêmes ce qui doit leur revenir. Sharon, est-ce que tout va bien? Veuillez m'excuser, j'ai un petit problème de connectivité. Donc, pour notre dernière série de questions aux panélistes, nous voulons réfléchir à ce qui viendra ensuite. Donc, Sam, quelles sont les principales recommandations du rapport pour la communauté de la gouvernance foncière? Merci beaucoup. Donc, je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps et que nous voulons laisser l'opportunité aux participants de poser des questions, mais dans notre rapport, nous avons étayé toutes les recommandations. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de la diversité des systèmes fonciers, toutes ces zones présentent des problèmes individuels, et parce que c'est une étude interculturelle, il était difficile pour nous d'avoir des recommandations globales, parce que chaque situation est différente. Il faut prendre en compte le contexte national. Donc voilà, nous avons essayé de rester global, de trouver des recommandations qui puissent s'appliquer dans chaque contexte. Nous avons des recommandations également pour l'État, par exemple, reconnaître les droits fonciers et assurer une sécurité foncière effective. Donc voilà, vraiment, cette reconnaissance a été notre premier point. Nous avons exploré cette intersection entre discrimination et corruption, et donc nous voulions reconnaître la situation, cette intersectionnalité. Il faut reconnaître les différents systèmes fonciers, tout cela est inclus dans nos rapports. Nous parlons de participation, c'est quelque chose qui a été dont nous avons énormément parlé aujourd'hui, le besoin de promouvoir, de sensibiliser les communautés, sensibiliser à une plus grande collaboration. Je vois dans le chat que certaines personnes posent des questions au sujet de leur contexte. Oui, en effet, cette perspective interculturelle nous a empêchés de fournir des recommandations plus pertinentes, mais nous avons essayé, voilà, d'avoir des conversations et d'établir des chapitres qui prennent néanmoins tout en compte.
Je vais me pencher sur la deuxième recommandation, besoin d'une meilleure protection, une protection complète et efficace. Donc élaborer des cadres complets de lutte contre la corruption et la discrimination. Donc cette loi anticorruption a une approche globale et dans les recommandations, nous fournissons des guides sur ces aspects pour parler des différentes formes que peut prendre la discrimination, la corruption. Je pense que c'est un concept important qu'il faut comprendre. Nous parlons également de certaines mesures pour promouvoir la participation, la responsabilité, etc., et la collaboration. Donc, je recommande vraiment à tout le monde de relire, de lire ces recommandations. Elles sont assez courtes, ça ne prendra pas énormément de temps. Il y avait certains points qu'on souhaitait approfondir, donc notamment au niveau des sonneurs d'alarme et des mécanismes de plainte et de signalement, parce que les groupes discriminés font face à des défis uniques, non seulement parce qu'ils signalent de la corruption, mais également parce qu'ils viennent de contextes marginalisés et désavantagés. C'est quelque chose dont on a parlé récemment. Notamment après donc la réunion Defying Exclusion, donc remettre en question l'exclusion organisée par le rapporteur des Nations Unies. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations utiles dans cette section-là, donc n'hésitez pas à la consulter. Merci beaucoup. Donc, chers panélistes, on va vous demander de garder vos réponses aussi brèves que possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais revenir vers Mélusie. Donc, vous avez parlé du cas de l'Afrique du Sud et quelles sont les actions les plus urgentes que le gouvernement et d'autres acteurs devraient prendre pour garantir ces programmes anticorruption? Eh bien, tout d'abord, il doit y avoir une reconnaissance du fait que les propriétés foncières et la corruption est liée. C'est plus quelque chose dont on peut débattre, en fait. Mais en plus de cela, on a maintenant des preuves que la corruption foncière et la discrimination sont liées. Et donc, c'est important de voir ces choses comme coexistant, en fait. Parce que si on veut parler de gouvernance foncière et des problèmes à ce niveau-là en Afrique, on doit toujours prendre en compte la possibilité très élevée de corruption qui conduit ensuite à la discrimination. Et cela va nous aider à prendre en compte ces aspects à l'heure de formuler des droits et des politiques, des lois, pardon, et des politiques. Il faut également qu'il y ait de la responsabilité au niveau du gouvernement. Le gouvernement sait pertinemment que les programmes de partage des terres agricoles sont très problématiques. Ils ont réalisé une enquête, mais ils ne veulent pas en fait rendre responsables les acteurs privés qui sont en fait impliqués. Donc il faut vraiment que les autorités policières puissent pénaliser en fait les parties criminelles qui ont violé donc les droits humains des personnes impliquées. Et il faut que ces mécanismes qui, en fait, sont censés protéger les segments les plus vulnérables de nos sociétés devraient faire, en fait. Et donc, on a besoin d'un soutien plus large de la société, de différents acteurs, pour, en fait, pouvoir, en fait, vraiment rendre responsable, engager la responsabilité et pénaliser ces criminels. Merci Miloussi, c'était très intéressant. Je vais maintenant revenir vers Naomi. Donc, en vue de ces recommandations, j'aimerais comprendre quelles mesures le gouvernement ougandais peut mettre en place pour répondre aux trouvailles de ce rapport.
Naomi, est-ce que vous pouvez m'entendre? Si vous pouvez m'entendre, votre microphone doit être éteint. Naomi? Bon, je pense que malheureusement, à cause du temps, je vais me tourner vers Barbara et revenir vers Naomi ensuite. Naomi, est-ce que vous nous entendez? Ah, je vous ai perdu, mais je suis revenue sur mon téléphone maintenant. Ah, oui, je comprends. Les problèmes de connectivité nous atteignent tous. Donc, ma question, en fait, était donc, comment est-ce que le gouvernement ougandais peut agir pour répondre aux trouvailles de cette enquête? Eh bien, il y a un nombre de mesures possibles, mais principalement, j'aimerais rebondir sur ce que mes collègues sud-africains ont dit. C'est vraiment une question de réformer nos politiques et nos lois, tout d'abord, pour qu'elles, en fait, prennent en charge les défis pratiques auxquels nous faisons face. On ne peut pas vivre dans le passé, et donc c'est important en tant que décideurs politiques ou en tout cas qu'influenceurs politiques de garantir que les politiques sont à jour, que les processus soient tous incorporés dans les lois, que tout le tout soit extrêmement transparent et facile à comprendre pour les communautés. J'ai visité certains pays où les réformes foncières suivent de nouvelles tendances et en fait, ils cherchent à simplifier les processus légaux pour garantir que les communautés en fait reçoivent l'assistance dont ils ont besoin. Donc, par exemple, l'accès à l'aide juridique est toujours quelque chose de critique, notamment quand on regarde donc le système de tribunal qui finalement influence la plupart des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Donc, on a besoin qu'il y ait une assistance juridique qui soit disponible, notamment pour les personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se permettre de payer les tarifs et tout ce qui est lié à la bureaucratie, en fait, dans nos tribunaux formels. Notre proposition, en fait, est de garantir qu'il y a une mobilisation continue et une création continue également de conscience, en fait, notamment sur les processus d'acquisition foncière, et pour que les personnes puissent en faire donner leur consentement éclairé. Donc, ils ne travaillent pas dans le noir, ils peuvent suivre les processus dont ils font l'objet. Et ils peuvent faire appel au pouvoir qui contrôle ces processus. Et donc, on veut incorporer tout ça dans nos régimes juridiques pour que le public soit protégé. Le gouvernement doit mettre en place des systèmes qui permettraient même aux pauvres, même les personnes indigentes, de bénéficier de ces systèmes-là et qui ne soient pas laissés pour compte. Et cela va créer une plateforme et une résilience pour ces communautés. Et ça va leur permettre de protéger et de faire valoir leurs propres droits fonciers et de protéger leurs personnes. Parce que donc ces provisions sont souvent en place. Personne ne devrait souffrir de discrimination. Le gouvernement ne peut pas saisir leurs terres avant compensation, mais il faut mettre en œuvre des contrepoids, en fait, parce que parfois, c'est compliqué. Donc, par exemple, il faudrait mieux définir le délai au sein duquel les personnes qui déposent des plaintes peuvent agir, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer dans ces systèmes-là, et on doit donc faire évoluer ces lois obsolètes. C'est une opportunité pour nous. Notre interprète s'excuse, mais le son de l'intervenant a coupé. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner sur l'ignorance, on doit surveiller, on doit être réveillé. Et on doit garantir que tout le monde ait la connaissance et la conscience des moyens disponibles. Merci Naomi pour cette recommandation importante.
Nous devons être transparents et donc nous devons tous soutenir ces institutions gouvernementales. Voilà. Merci beaucoup, Naomi. C'est très intéressant. C'est une recommandation très importante. Barbara, quelles sont vos recommandations pour l'avenir? Restez très brève. Donc oui, je vais prendre 10 secondes et je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration très étroite entre les personnes qui travaillent sur la justice foncière au niveau mondial et les personnes qui travaillent sur la corruption et la discrimination. Donc pas seulement les professionnels, mais également les personnes qui sont impactées par ces conditions-là. D'accord. Merci beaucoup à tout le panel. Ça a été une conversation très intéressante. Je vois que nous avons reçu beaucoup de questions et j'aimerais passer à cela, juste répondre à certaines de ces questions, j'espère. Je crois que la première question que j'aimerais souligner, et un de nos intervenants peut peut-être répondre rapidement. Donc, quelles sont les frontières ou les barrières qui, finalement, au niveau des technologies numériques, pour adresser à ces questions de corruption foncière en Afrique? Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans le chat. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde peut lire. Ça nous permet d'économiser un peu de temps. Oui, il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu directement. Dans ce cas-là, on peut passer à la suivante. Quel est l'impact de la corruption foncière dans la gestion durable des terres en Afrique? Je pense que, en fait, ça aussi, on y a répondu dans le chat. Je suis désolée, je suis très consciente du temps qui nous reste, donc je voulais juste te signaler. Ok, je vais essayer de trouver une question auquel on n'a pas encore répondu. Donc, quelqu'un demande, je pense que c'est dirigé à Mélusie. Est-ce qu'il y a un type de corruption ou de plainte au niveau de la du ministre de la du ministre des Terres en Ouganda? Naomi, est-ce que vous entendez? Alors, j'ai déjà dit qu'il y avait plusieurs institutions gouvernementales établies par la Constitution, qui a donc un mandat de d'évaluer et de gérer les établissements gouvernementaux. Et dans ce cas-là, les cas de corruption peuvent être signalés ici. Et on a également l'IGG. Le défenseur des droits a le droit donc d'intervenir. Et une fois que ces signalements ont été faits, on peut ensuite saisir le tribunal anticorruption et c'est à ce niveau-là que ces questions-là sont résolues. Mais on a également d'autres institutions au sein de la State House, donc l'unité anticorruption de la State House, qui gère également les signalements des sonneurs d'alarme, notamment en ce qui concerne l'investissement et toutes les autres procédures réalisées par des figures publiques. Donc, ce sont certaines des institutions qui gèrent les cas de corruption. D'accord. Donc, une autre question que je vois de la part de Taïe est comment est-ce qu'on peut autonomiser les communautés pour combattre la corruption, qu'elle soit petite ou grande, et comment peut-on combattre la corruption dans le secteur de l'administration foncière? Est-ce que c'est pragmatique de penser qu'on peut en fait combattre cette corruption? Je vais me poser la question à Barbara et Melusi peut-être. Alors, je serai très rapide. Je pense que c'est possible, oui, que les communautés impliquées puissent gérer ces questions de corruption foncière. Parce qu'en fait, ce sont elles qui en font l'expérience. Donc, il faut leur donner l'information et les connaissances nécessaires pour agir. Et donc, de voir comment eux peuvent
être des agents du changement pour comprendre comment la corruption foncière se manifeste. Et ce qu'on a trouvé dans nos programmes d'éducation publique en Afrique du Sud, c'est que souvent, on ne savent pas comment la corruption se manifeste. Et donc, c'est très difficile pour eux de partager une information simplifiée, ce qui permettrait à ces communautés, en fait, finalement, de faire des activités de plaidoyer, de faire valoir leurs droits eux-mêmes. Barbara, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on n'a plus de temps. Une autre question que nous voyons d'Antinette. Qu'est-ce qui est mis en place pour garantir que les mesures anticorruption soient aussi antidiscrimination? Alors, comme je l'ai dit dans le rapport, il y a une partie qui parle de ces mécanismes-là. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple d'un mécanisme particulier, mais en fait, je pense que c'est une question de reconnaissance. Il s'agit de reconnaître de manière proactive et de s'engager auprès des communautés marginalisées, quand ces mesures-là sont mises en place. Donc, la question, en fait, ce n'est pas tellement les mesures anticorruption en elles-mêmes. Parce qu'en fait, ces mesures anti-discrimination sont totalement compatibles avec des mesures anti-corruption, mais souvent, en fait, elles sont traitées comme deux espèces différentes. Donc, en fait, dans le rapport, on voit plus de 20 références à la discrimination et la corruption, mais elles n'apparaissent jamais ensemble. Et donc, c'est quelque chose qu'on a vu en fait tout au sein de ce rapport, la corruption et la discrimination sont traitées comme des sujets complètement différents, des inquiétudes complètement séparées, alors que la recherche nous montre que ce n'est absolument pas le cas. Ils sont absolument liés et à mon avis, on ne peut pas en fait progresser sans s'attaquer à ces deux aspects. Et je pense que le point le plus important à retenir, c'est que les personnes qui font du plaidoyer contre la discrimination, il faut en fait voir comment on peut intégrer les mesures anticorruption dans nos travails et vice-versa. Donc les personnes qui s'intéressent aux questions de corruption doivent travailler avec des groupes qui font l'expérience de la discrimination. On a parlé des femmes aujourd'hui et à bon escient parce que de nombreuses femmes font face à des défis significatifs dans l'accès à leurs droits fonciers, mais la discrimination couvre en fait une grande variété de caractéristiques et donc il faut s'intéresser à ces questions de manière intersectionnelle. Donc ça peut être lié à l'âge, le statut social, l'ethnicité, la religion. Donc toutes ces différentes facettes peuvent changer l'expérience personnelle et donc c'est vraiment très important de vraiment essayer de mettre en relation ces deux concepts, notamment dans le secteur foncier, et d'essayer de trouver des solutions pratiques. Je suis désolée, c'était un peu trop long. Je vais m'arrêter là. Merci, c'était super, très intéressant. Donc, merci beaucoup, ça a été une discussion très intéressante. Je suis sûre qu'on pourrait continuer à en parler pendant des heures, mais il va falloir s'arrêter à cause du temps. Donc, merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci de votre présence et votre participation. Et merci à tous nos participants également. C'est fantastique de vous avoir tous vus et vos questions ont été reçues. N'hésitez pas à remplir les sondages qui ont été publiés dans le chat par Neil. Donc, s'il vous plaît, faites-nous parvenir vos retours pour que nous puissions nous améliorer pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vais dire un dernier merci à tous nos interprètes. Merci beaucoup d'avoir vous avoir facilité la tâche dans ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à tous. Merci.